qui font des manœuvres. Vous voyez beaucoup de, voilà, vous voyez beaucoup de militaires en ce moment. Je sais pas pourquoi, trop bizarre. Il y a comme une ambiance un peu où tout le monde s'entraîne à fond les ballons. Je ne comprends pas. Emmanuel Macron, en plus, vient de lancer le pass, non pas le pass sanitaire, mais le pass rail. Alors je sais pas de quel rail il parle, hein, si on parle bien des lignes ferroviaires. Parce que moi ça m'intéresse pas ce qui sniffe. Qu'est-ce qui m'arrive? On est en train de retrouver le M-Colo de l'époque là, qui disait n'importe quoi, qui faisait que des conneries. Une boule qui pendouille, bah forcément ça bouge, ça gesticule. Mais ce serait vraiment chouette que ça le fasse également avec la canette. Alors ça c'est super, c'est la distance de sécurité à respecter. C'est pas un restaurant. Ça se trouve il y a un resto. Mais fils de ta mère en fait! Le camion du patron! Je vais faire comment? Je vais me faire niquer par maman, alors la maman va me niquer! Vidéo exceptionnelle en convoi exceptionnel avec la toute nouvelle remorque de BB Modings. Elle est sortie tout juste hier, le 6 avril. Il s'agit de la remorque PE2F1 qui aujourd'hui nous permettra de transporter le Hummer H1 ou devrais-je dire le Hummer H1. Un véhicule tout-terrain militaire produit de 92 à 2006, pesant 3 tonnes à vide. Un vrai véhicule électrique lol, consommant 22 litres au 100 pour le plus grand plaisir de Greta. PE2F1, c'est le nom du nouveau modèle de remorque sorti, créé par BB Modings, avec 3 longueurs différentes et bien sûr plusieurs cargos possibles, 9 au total. Que ce soit le tracteur Xerion, l'ancieuse Jaguar, des grues, chargeuses sur pneus, des détails toujours de plus en plus poussés, rien que les manomètres ou la qualité de l'ensemble. Gros GG à Ben et merci encore pour sa confiance. Et en parlant de confiance, cette vidéo est sponsorisée par Eneba. Si tu souhaites acheter tes jeux à prix cassé, en 2024, c'est toujours sur Eneba que vous trouverez votre bonheur. Des jeux Steam, des clés PSN et Xbox, des cartes cadeaux, toujours à prix réduit sur Eneba. Le lien est en description. Et vous pouvez scanner le QR code pour y accéder directement. Parce qu'on est dans le futur aussi. Voilà. Voilà. Et on y est les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et vous ne le savez pas parce que pour vous ça change pas grand chose. Voilà, il y a eu des vidéos tout au long de la semaine. Mais moi ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué à Euro Truck. Et je peux vous dire que ça fait trop plaisir d'être ici avec vous, avec ce magnifique Scania. Vraiment pour vous ça doit rien changer. Vous avez vu les vidéos hier, avant-hier, ou même on était en live la veille si je dis pas de bêtises. Ou l'avant-veille, on était en live sur la chaîne de Transport 24. Bon, au moment où je tourne la vidéo, non. Mais en tout cas, bref, ça fait une semaine voilà, que j'ai tourné des vidéos à l'avance, donc ça fait trop plaisir. Regardez-moi. Bon, le camion, maintenant, vous avez l'habitude, hein, c'est le Scania de Fox et Miss, bien évidemment, qu'ils m'ont très gentiment, gracieusement prêté, évidemment. De toute façon, ils n'ont pas le choix, parce que regardez ce qu'on transporte. Alors, ça reste 3 tonnes, hein, ça reste 3 tonnes, c'est assez léger. Mais voilà, regardez cette remorque de qualité. Regardez ce Hummer. Hummer, H1, H1, véhicule donc militaire que je vous ai présenté. America, on est là. Et on est sur Grand Utopia et on n'est pas n'importe où. On est à Utopia Clermont, juste ici. En fait, je suis allé là, pourquoi? Parce qu'il y a un monument par rapport à la guerre, un monument aux morts. On va passer juste devant. C'est aussi un endroit où en fait j'étais jamais. Et aujourd'hui, on va prendre alors la nationale, tac tac, on va longer l'océan qui est juste ici. C'est une route aussi que j'ai rarement prise. Et on va traverser avec le ferry. Bon. Est-ce que c'est vraiment RP? Je ne sais. Bon. On va arriver sur Liberty Bay, West Bank. Et là, on va prendre une route que j'ai pas pris depuis longtemps, qui est d'ailleurs inexplorée sur ce profil. Et on va aller à Crater Lake, justement à Mygotopia, cet add-on de Grand Utopia qui représente l'Amérique et également l'imaginaire de My Godness qui s'est fait des petits plaisirs. Donc franchement, ça va super bien avec le thème, les gars. Convoi exceptionnel militaire. En théorie, alors d'ailleurs j'ai des anecdotes à vous raconter. Enfin une anecdote à vous raconter, c'est rien de bien incroyable. Mais on va y aller, on va pas perdre plus de temps que ça. Le frein de parc est déjà enlevé, voilà, on a rien vu. Et on est parti. Non voilà, normalement dans la vraie vie je devrais être escorté si je puis dire. Pourquoi il me fait faire passer à gauche lui? Moi je veux aller à droite. Moi je vais à droite. Je fais ce que je veux. Attends, j'attends juste que la voiture passe. Je sais pas comment réagit la remorque encore. Parce qu'en fait, bon, c'est une petite remorque, hein. Clairement, ça n'a rien à voir
avec ce qu'on a pu faire dernièrement, donc ça va être beaucoup plus facile, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on a 4 chaînes qui tiennent le véhicule. Et voilà, la remorque est quand même relativement petite. Donc ça fait plaisir. Je pense que les essieux sont directionnels derrière également, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Du coup, vu la longueur, ça devrait pas trop me poser de soucis. Le monument. Ah, j'ai failli, voilà, j'ai failli faire une bêtise. Hop, toi je te passe devant. On a juste ici, les gars, le monument. Et donc je trouve ça vraiment super chouette. Ce qu'a fait My Goodness. Voilà, bon, du coup je suis du mauvais côté en fait, hein. Je suis du mauvais côté, mais c'est pas grave, on va faire le tour. Mais je trouve ça super chouette. Bonjour les chantarmes. Voilà, regardez, c'est super chouette. C'est un petit parc, un petit jardin du coup, forcément. Alors vous allez voir, hein, les écriteaux, voilà, on peut pas lire grand chose. Ah, aussi, petite parenthèse, je vais devoir couper certains moments. Là, il y a eu un cut. Tout simplement, je suis malade. Voilà, j'étais déjà malade il y a 2-3 semaines. Et ben, je suis de nouveau malade. C'est incroyable. Alors, attendez, on va juste se mettre en feu de détresse ici. Hop. On va sortir du camion. On va laisser le moteur tourner. Hein. Et puis, on va aller voir, du coup, ce petit parc. Regardez comme c'est chouette. Donc là, petite sculpture, statue. Et puis, du coup, surtout ici, voilà, le monument. Mais on ne peut pas lire, voilà, enfin on peut pas lire, si, bien sûr qu'on peut lire Ramakumlizam. Bon mais voilà, en tout cas 1941-1945, donc pour la Seconde Guerre mondiale. Donc un héros de guerre, probablement fictif évidemment, sur le jeu. Mais voilà, je trouvais ça super chouette. Et j'adore cet endroit, puisqu'il y a des palmiers là-bas, et c'est pour ça que je voulais passer également par là. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, on va y aller, bam, on rentre de nouveau dans le camion, bam, ça part. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement dans la vraie vie, je serais censé être escorté. Déjà, je serais pas avec un Scania sous la flotte de la TLF, hein. Je serais très probablement un camion de type vert, clair, vert foncé, de type militaire, voilà si je puis dire. Et je serais escorté par l'armée, tout simplement, par des militaires. Et justement, désolé les gars, il y aura plein de cuts parce qu'il y a des moments où je tousse. Voilà, des moments que vous avez pas forcément envie d'entendre. Donc moi ça me fait plus de montage, c'est terrible. Voilà. Pas plus tard que hier, j'ai fait de la découche, dans la vraie vie je parle, et donc je me suis baladé du côté de Verdun, d'accord? Et ben vlati pas que je crois... Alors, juste aussi petite parenthèse, depuis que je m'intéresse un petit peu au monde du convoi exceptionnel avec BB Moddings, je ne fais que de voir des convois exceptionnels. Alors je trouve ça assez impressionnant, est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est juste que maintenant je vois ça plus souvent? Je ne sais pas. Il me fait faire demi-tour là? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de moi là? Bah non, voilà. Regardez, le gars veut me faire demi-tour là. Il veut me faire demi-tour alors que j'ai juste à faire ça là. Il se foutrait pas un peu de moi lui? Attendez, 57 km? 59 km? Il est complètement con le GPS. Mais c'est pire que Waze. Mais c'est incroyable. Bref, je vois de plus en plus de convois exceptionnels dans la vraie vie. Et je trouve ça super impressionnant parce que vraiment les cargos qu'on transporte de BB Moddings, bah c'est, voilà, c'est pas pour rien. Les gars, ils s'y connaissent, ils font du convoi exceptionnel dans la vraie vie. Mais c'est exactement ça, et je trouve ça impressionnant. Et c'est vrai que, en réalité, il y a beaucoup de véhicules pilotes. Enfin, beaucoup de véhicules pilotes. Il y a toujours un véhicule pilote, même pour des convois où je me disais qu'il n'y en avait peut-être pas forcément besoin. Tout bêtement, les précédents convois qu'on a fait en vidéo tout seul, bah dans la vraie vie, j'en ai croisé les mêmes cargos. Donc, que ce soit les tracteurs avec les grues, machin, tout. Bah, y a toujours un véhicule pilote devant. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et donc, pour revenir à mon anecdote de Verdun, eh ben, j'ai croisé, donc pas plus tard que hier, un convoi exceptionnel. Alors, c'était pas ça, hein, parce que ça, c'est clairement véhicule américain. Enfin, après, je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais en tout cas, j'ai croisé des tanks. Les mecs, il y avait deux camions. C'était deux camions qui transportaient des gros chars. Je m'y connais pas, hein. Gros chars d'assaut, gros tanks, j'en ai aucune idée. Mais c'était avec les chenilles, tu sais. Et du coup, ces deux camions qui transportaient ça, c'était impressionnant. Et du coup, il y avait... Oh, il y avait ma remorque de la... Il y avait des collègues. Il y avait des collègues en face, gros big up. Mais ouais, voilà. Et puis, il y avait donc les véhicules pilotes, c'était des véhicules militaires, en fait. Je trouve ça trop stylé. Donc, bah, ça tombe super bien, puisque du coup, ce pack de remorques vient tout juste de sortir. Bon, moi, je l'ai en avant-première. Mais au moment où la vidéo sortira, ce sera sorti la veille. Donc, n'hésitez pas à aller checker en description. Je mettrai le lien. Il coûte 19€. Pour avoir donc les 12 cargos dont celui que je possède, donc pour avoir cette remorque avec les 3 différentes longueurs. Et donc du coup ça tombait super bien, j'étais dans l'ambiance militaire là vraiment clairement, donc c'est trop rigolo.
Et c'est super chouette. Moi ça m'a impressionné, je voulais prendre des photos. Mais bon, mon téléphone il est pourri, donc le temps que je dégaine le téléphone, enfin que j'enlève Waze, hein, tu vois, que je retourne sur le menu, que je lance Snap, c'était trop tard. Ils étaient déjà passés. Puis alors après, va les rattraper en camion, c'est impossible. Parce que les gars, ils envoient du pâté, hein. Pendant que moi, bah, j'étais une grosse merde, quoi, derrière. Donc forcément, mais c'était super, super stylé. Et ça m'a impressionné. Après, voilà, on est sur Verdun, donc forcément, là-bas, c'est assez... Bon, ces derniers temps, de toute façon, peu importe où vous êtes, vous voyez beaucoup d'hélicoptères de l'armée qui font des manœuvres, vous voyez beaucoup de... Voilà, vous voyez beaucoup de militaires en ce moment, je sais pas pourquoi, trop bizarre. Il y a comme une ambiance un peu où tout le monde s'entraîne à fond les ballons, je ne comprends pas. Mais bon, après, du côté de Verdun, c'est encore différent, forcément, et c'est trop, trop chouette. Trop, trop chouette. Il me fait faire aller à droite pour retourner à gauche, ce con. Et ce GPS se fout de ma gueule. Hein. Je vais suivre les panneaux, ce sera plus simple. Melan, Utopia Nord. Allez, hop. Melan et Melèche. Vous avez la ref? Enfin, du coup, voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous partager. Bam, on met le régulateur. J'avais les feux de route activés, je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Merci le plugin du Stream Deck. Encore une fois, je vous invite à aller regarder le tutoriel de L7C Fox. Et là, le GPS me dit pas de me rabattre à droite. Hein. C'est quand même incroyable. Et c'est normal, puisqu'il faut rester maintenant sur la voie 2. Sur les deux voies de gauche. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Franchement, en fait, j'adore Grand Utopia. J'adore comment sont faits les voies. C'est vraiment comme en vrai. Mais comme c'est un peu plus réduit, tu vois, tu fais droite, gauche, tu fais que ça. Alors que, généralement, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus long. Mais après, évidemment, t'imagines, il aurait fait la France à l'échelle de la France. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué, hein. Bon, mais en tout cas, voilà, bientôt, nouvelle version de Grand Utopia qui sortira. Ça régale. Oh là là, il y a des avions, là. L'avion, ça fait lever les yeux, hein. Regardez-moi ça. Et en fait, c'est la taille d'un semi classique, si je dis pas de bêtises là. Hein. Au final, on a une remorque, la taille d'une remorque classique. Hein. Si je ne dis pas trop de conneries. Voilà, j'ai. Ah, je sais ce que je voulais dire en plus, c'est vrai en plus. Je voulais dire quelque chose. Parce que vous savez, moi ça me fait plaisir de mettre en avant des gens. Bon, surtout quand c'est pas n'importe qui. Mais vous savez, L7C Fox, il est de retour. Tranquillement mais sûrement. Et ça fait plaisir. Turbo Transport, il est à fond. Il enchaîne. Voilà, on ne voit que lui. L'étoile montante, comme on dit. Et on a Mister Kalash qui est chaud également. Et en plus, c'est trop cool. Moi, j'aime trop comment il présente ses vidéos parce que il fait des petites intros en face caméra et tout. Moi, j'aime beaucoup comment il fait ça. Enfin, vraiment super cool. Oh, bâtard, j'avais pas vu qu'il fallait... Oh là là, le bus, j'aurais pu me le prendre. Ah, par contre, la plage, c'était à droite. Hein. J'aurais dû aller à droite, finalement. Oh, c'est beau. Mais je suis jamais passé par là, les gars. Je suis jamais allé là, les gars. Je ne connais pas cet endroit. Du tout. Mais je vois des palmiers, ça me fait plaisir. Je vois l'autre. C'est incroyable. Venez, on fait un petit screenshot. Oh, c'est beau. Et pourquoi les screenshots rentrent jamais comme je veux? C'est incroyable. Alors attendez, on va faire comme ça. Je vais suivre le tutoriel de Mister Kalash. Regardez. On va faire en sorte que le ciel soit uniforme. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire en sorte que le ciel soit uniforme. Comme... Mais j'aimerais bien qu'on voie les gyrophares aussi. Voilà, comme ça. Tac. Et comme il me colle aux fesses, lui, derrière. Il est sérieux? J'avais même pas vu. Voilà. Je prends en photo et vous verrez la miniature finale qui sera différente parce que je vais demander à Kalash de me la retoucher directement. Donc merci beaucoup frérot. Justement, donc on parlait de Mister Kalash. Sauf que maintenant on a un nouveau. Alors il y a My Godness pardon aussi. Oh, j'ai oublié des gens. My Godness bien sûr qui fait des vidéos. D'ailleurs je sais pas si je peux le dire, mais il nous a informé qu'il allait faire une vidéo spéciale. Mais je sais pas si je peux le dire alors, donc je vais rien dire. Elle sera peut-être sortie déjà, je ne sais pas, donc je vais rien dire. Mais My Goodness, regardez sa chaîne parce qu'il va faire une vidéo où genre il va répondre à vos questions quoi. Mais après je vous ai rien dit. Et genre une FAQ quoi. Bon, je vous ai rien dit. Chut. Bah après faut bien lui poser les questions, donc faut bien que vous le sachiez. Voilà, bon maintenant on a un petit nouveau. Il s'appelle Seb, rendez-vous compte. Seb, c'est vraiment le gars. Il est posé, il est chill. Il est avec nous sur tous les convois. Et maintenant il est sur YouTube. Voilà, pour le kiff, hein, pour le bonheur, pour le plaisir, évidemment. Bon, tout le monde est là pour le kiff. Hein. Mais allez voir. Parce que en vrai de vrai, Seb, vous... Enfin, c'est...
fidèle à lui-même, fidèle à lui-même, je mettrai tout en description. Il est calme, il est posé, mais il anime le con. Vraiment, je le dis, hein, parce qu'il croit que je me moque de lui, mais il anime le con. Parce que tu sais, souvent, il y en a, ils ont des tempéraments calmes, des tempéraments discrets. Sauf que du coup, ça se répercute sur tout. C'est-à-dire que même, je connais des gars qui font des vidéos, mais ils sont calmes. Et en fait, ils parlent pas, en fait. Genre, juste, ils parlent pas. C'est terrible. Des gens kiffent, mais c'est terrible parce que c'est dommage, parce que t'as envie qu'ils parlent. Seb, il est calme. Tu t'attends pas à ce qu'il... Il fait que de parler. Mais calme. Et franchement, c'est super agréable. C'est super agréable. Et en plus de ça... Non mais je vois un avion, je suis... C'est incroyable hein, ce qui se passe hein, sur Grand Utopia. Il se passe des choses. C'est phénoménal. En plus de ça, la qualité est monstrueuse. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il a fait qu'une seule vidéo. Mais la qualité est monstrueuse. Est-ce que je suis jaloux? Pas du tout. Mais la qualité est monstrueuse. C'est incroyable, vraiment, allez voir. Je vous recommande. Donc voilà, je voulais mettre vraiment en avant tout ce beau monde, tout ce travail. Et ça fait trop plaisir d'avoir ce cercle qualitatif. Ça régale. Et là il va y avoir un cut parce que je vais tousser mes grands morts. Vous n'y avez vu que du feu. Regardez-moi ça. L'océan à perte de vue. Et dire qu'il y a des gens sur cette planète qui vivent dans des endroits comme ça, qui ne s'en rendent même plus compte. N'est-ce pas les Girondins? C'est fou. Hein. Non mais ceux qui habitent près de la mer. Je parle pas de la mer Bière. Mais ceux qui habitent près de la mer. Vous êtes des beaux salauds. Vous êtes des beaux salauds. Invitez-moi. En fait, qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-moi un billet de train. Emmanuel Macron, en plus. Vient de lancer le pass... Non pas le pass sanitaire, mais le pass rail. Alors je sais pas de quel rail il parle, hein, si on parle bien des lignes ferroviaires. Parce que moi ça m'intéresse pas ce qu'il sniffe. Mais il a lancé un pass là à 49€ je crois. Et après tu peux voyager partout où tu veux. C'est trop bien. Je veux trop aller à Los Angeles en train et tout. Genre vraiment superbe. Non mais voilà les gars, ceux qui habitent au bord de la mer, invitez-moi, merde. Sérieusement, moi ça me manque. Ça me manque et il fait pas beau au moment où je tourne cette vidéo. Mais au moment où la vidéo sortira, il fera beau. Normalement. L'occasion de faire des vidéos en moto. Sur ma chaîne YouTube de moto. Incroyable. Hey, je viens de faire une Dwayne Johnson, regardez. Qu'est-ce qui m'arrive? On est en train de retrouver le M-Colo de l'époque, là, qui disait n'importe quoi, qui faisait que des conneries. Ah, sauf que je roule bien. Enfin, je crois. À peu près. Et salut à tous, c'est Fox et Miss. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui. Bah voilà, après la suite, je vais pas vous faire toute une vidéo de Fox quand même. Et salut tout le monde, c'est Turbo. Et on est avec un magnifique Scania. Bah c'est vrai en plus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir en facecam sur Eurotruck. C'est vrai que ça faisait un petit moment. En plus, avec une casquette Kawasaki. Parce que ben, je rappelle que j'étais quand même groupe Utopia, waouh, 20 ans. Je rappelle que j'étais quand même pro Kawasaki depuis 2018 hein, jusqu'à 2023. Et aujourd'hui je suis team KTM, mais je n'oublie pas Kawasaki pour autant évidemment. Je donne des infos, vous prenez pas, après bon faites ce que vous voulez quoi. Oh, des éoliennes dans l'océan. Magnifique. Merci my godness pour cette prouesse. Pour cette prouesse écologique et durable. Eh, heureusement que ce que je transporte ça fait 20 litres au 100 hein. Et d'ailleurs je consomme combien là actuellement? Où c'est qu'on voit ça? Attendez. Je vais voir ma consommation. Ah, 60 litres au 100, mais attends, instantané, ça y est, attends, j'ai l'instantané en bas. 30 litres au 100, 35, 36. Attends, j'appuie à fond sur la pédale pour être à 90. Voilà. Voilà, forcément, 45 litres au 100, 32, 17, 19, 32. Putain, le terrain, il est pas plat. Il est pas plat aussi, le terrain, hein, tu peux rien faire. 0 litres au 100, voilà, je suis écologique. Non, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ça, faut faire super gaffe aux trucs électriques, là.
Si tu t'approches un tout petit peu trop, bon normalement ça a été bien fait, voilà. Si tu t'approches un peu trop, ça fait un arc électrique et t'es mort. Ça rebondit pas. Ça rebondit pas, je parle de la canette de Red Bull. C'est dommage, c'est un truc qui pourrait être amélioré sur le jeu. La physique des... Bon après forcément c'est des mods, hein. C'est le Sizzle Megapack, hein, les mods qui rajoutent la canette et tout machin. Ce serait trop bien maintenant, par la suite, qui rajoutent de la physique dans la cabine. Il y en a déjà, vous savez, quand il y a un truc qui pendouille là. Quand vous mettez un truc qui pendouille, quand vous mettez une boule qui pendouille, bah forcément ça bouge, ça gesticule. Mais ce serait vraiment chouette que ça le fasse également avec la canette. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette parce que là, pour revenir un peu quand même sur la remorque de bébé modding, parce que c'est aussi ça qui est cool. Après, vous le voyez par vous-même déjà, la qualité de base, hein, bien sûr, qui est vraiment monstrueuse. Mais en plus, on a la personnalisation des remorques qui est vraiment trop trop bien. Comme dit, tu peux ajuster donc les trois tailles différentes sur chaque remorque de toute façon. Mais tu peux également customiser. Bon, la peinture, bien sûr. Mais c'est surtout les accessoires. Tout ce que vous voyez, les gyrophares, la plaque angle mort, convoi exceptionnel. Tout ça, ça a été rajouté. Alors forcément, tu peux pas non plus faire un million de trucs. Mais t'as moyen vraiment de te faire kiffer et de customiser un peu à ta guise. Je vous montrerai... maintenant, puisque nous avons un atelier, un concessionnaire DAF. Voilà, on va aller chez la concu. On va aller voir. Hop. Ouais, bon, c'est clairement la taille d'un semi-remorque classique et ça fait trop du bien. Ça change clairement. Hop, on va se mettre là. Je vais vous montrer en gros. Configurateur de remorque. Donc voilà votre remorque. Donc là, tu peux pas changer le type de train routier, bien sûr. Par contre, donc tu peux changer la taille. Est-ce que si je le fais maintenant, ça va foutre en l'air la mission? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai donc les deux axes directionnels, mais là, classique. D'accord? Ensuite, tu as la médium et ensuite, tu as la longue. Donc, c'est vraiment une des remorques les moins longues de toutes celles des autres de BB Moddings, hein, disons-le. Ensuite, donc, les couleurs, tu peux les changer. Donc, tu peux partir sur un bleu. Oh, c'est beau, ça. Mais voilà, là, j'ai mis les couleurs de BB Modding. Et voilà, en termes de customisation. Donc, vous avez en plus ici, à l'avant, les cales. Moi je trouve ça trop cool, regardez tous les détails quand même. Attends, j'allume les lumières. Tous les détails là, tu vois les branchements, les flexibles. Donc les cales, là tu peux changer. Donc les stickers d'angle mort, c'est moi qui les ai rajoutés. Parce qu'en fait au final t'es pas obligé de les mettre. Mais bon, voilà, pour le RP. Même si on n'a pas beaucoup de RP en l'état. Ça c'est quoi? Ça c'est la peinture donc de l'avant. Des trucs qui s'ouvrent là. Les ridelles, merci beaucoup. C'est écrit en plus. Voilà, donc tu peux mettre bébé modding, tu peux changer les petites couleurs. Bon, voilà, hop, tac. Ah, tu peux même enlever les ridelles, ce qui est franchement magique en soi. Ben, c'est magique juste à cause des stickers, c'est tout. Hop. Alors, bon, les pneus, tu les changes, c'est pas un problème. Hein. Sur les côtés. Ah, j'avais même pas mis les marqueurs. Voilà, ça rajoute des petits marqueurs encore, des petites lumières. Hop, je les rajoute. À l'arrière. Plaque convoi exceptionnelle, j'aime bien mettre à gauche. Sinon tu peux le mettre au milieu, mais j'aime pas avec les... Je sais pas si ça se fait, je pense que oui. Mais j'aime pas avec les... T'as capté? Je sais plus comment ça s'appelle, j'aime pas. Je sais pas, je suis pas fan. Donc je préfère le mettre là, comme ça sur le côté droit. Eh bien j'ai les stickers angle mort. Attends, comment tu les mets? Non, c'est pas ça. Là t'as la bavette, tu peux mettre la bavette. Là tu peux mettre, mais ça j'aime pas, mais tu peux mettre voilà derrière des petites loupiottes, mais j'aime pas parce que du coup quand tu freines il n'y a plus. Bon, je pense que tu peux, il doit y avoir les machins, mais j'aime pas. Et puis voilà, ça c'est les gyrophares, t'as vu, tu peux soit les enlever ici, soit les mettre. Moi j'aime bien les mettre. Par contre les stickers angle mort, j'ai fait comment? Comme ça, voilà. Donc là je le mets à droite, je préfère le mettre à droite à cause du déport sur le côté droit. Voilà, tout simplement. Donc c'est cool en vrai, putain, tout ce que tu peux faire mon gars. Et à l'avenir, ce serait vraiment chouette d'avoir, mais bon, ça, c'est pas... Je pense pas que BB Moddings puisse faire grand-chose. Après, si franchement, il y arrive de lui-même, je trouve ça monstrueux. Mais d'avoir une, voilà, une télécommande pour pouvoir pivoter les essieux, tout simplement. Pouvoir gérer les essieux. Et en vrai, ce serait pas déconnant que ça se fasse un jour via... Enfin, que SS Software le fasse d'eux-mêmes, puisque maintenant... On peut gérer les essieux, maintenant. Les essieux, non, justement, on peut gérer les suspensions. Donc ce serait pas déconnant un jour qu'on puisse faire les essieux. Ce serait vraiment trop trop cool. Allez, dégagez tous là, à gauche. Toi aussi à gauche. Ah, lui va à droite. Impeccable. Allez, on s'est parti. Ouh, la rue pavillonnée, j'adore. Celle-là, normalement, tu la prends pas trop vite. Hein. Là, tu vois, ça c'est un truc que je regrette aussi.
ce serait bien d'avoir les sensations dans le volant. Parce que tu as les sensations dans le volant en fonction des bosses, etc. Mais sur les rues pavillonnées, personnellement, je n'ai pas de sensations dans le volant. Je trouverais ça trop trop bien. Voilà, c'était le petit appel si jamais... S'il y avait moyen de faire quelque chose. C'est pas My Goodness qui peut faire quelque chose. Ça peut que être, je pense, le jeu. Mais... Waouh, on est vraiment au bord de l'eau, j'adore. J'adore. Je suis jamais allé là, les gars. Je trouve ça impressionnant. Je croyais tout connaître de Grand Utopia. En réalité... Non. Ah, là, j'ai eu des sensations au volant. Tant que c'est que au volant, ça va. Hop. Salut, collègue. Oula. Mais si, je suis déjà allé là. Si, je connais, je suis déjà allé là, les gars. Mais ça remonte à longtemps, sur un autre profil. Ah, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Non, je... Alors ça, c'est super. C'est la distance de sécurité à respecter. À ne pas reproduire, les enfants, bien sûr. Mais ouais, j'avais déjà roulé ici, je m'en souviens maintenant. Incroyable, ça fait trop plaisir. Comme quoi, tu vois, je m'en souvenais plus. Je ne m'en souvenais plus. Allez, on va embarquer, les amis. Oh, les petites terrasses et tout. T'as juste envie de te poser, là. C'est super chouette, mon Morillon, là, mon gars. Oh, j'ai envie de me poser, les gars, ici, là. J'ai envie de boire un café. Il est quelle heure? En plus, il est 11h30, là. Oh, en vrai, de vrai. T'as pas envie de prendre un apéro, là, avant de partir, sérieux? Ah, oh là là. Vous savez ce qu'on va faire? Bah, de toute façon, on va embarquer. Il va être midi, donc je vais manger sur le bateau. Je pense que je vais manger sur le bateau. Je sais pas combien de temps dure la traversée. Je crois que c'est un quart d'heure. Je crois que c'est un quart d'heure. Bon, on va voir. On va voir en fonction et à ce moment-là, je vais manger sur... à My Gotopia. Le mec trop RP, tu sais. Hop. Impeccable. Bonjour, c'est l'armée. Ah là, normalement, tout le monde te respecte, hein. Bon, là, c'est un petit peu exceptionnel, mais... Puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de véhicule pilote, il n'y a pas de militaire, il n'y a rien de tout ça. Liberty Bay, 23 minutes le temps de trajet. Très bien, d'accord. Bah écoute, direction l'Amérique avec ce Hummer. Nous y sommes. Donc, nous avons encore 25 minutes de trajet. C'est absolument ce qu'on vient de réaliser. Et surtout un trajet super intéressant. Ce que je vous propose, les amis, c'est de faire ça dans une deuxième partie. Je pense que c'est quand même plus intéressant que de faire une grosse vidéo. Mince. Donc, ce qu'on va faire, on va se barrer, on va se trouver un petit endroit pour se parquer, d'accord ? Là il est 11h58, il va être tout pile midi. Donc moi c'est impeccable comme ça. Là on va essayer de se trouver un petit coin où on peut se poser, éventuellement manger. Maintenant ça m'étonnerait. Ah ouais, on est à Liberty Bay, je me souviens d'ici. Là je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de resto ou quoi. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Ah si, il y a moyen quand même. Il y a moyen quand même. Faut qu'on trouve un petit coin pour se poser. Et comme ça, on pourra faire un beau trajet pour la prochaine vidéo. Ça va être super intéressant. Alors. Déjà, on va sortir d'ici. J'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Je suis comme avec ma super motte, les gars. C'est-à-dire que j'accélère pour rien, c'est juste pour entendre le bruit. Incroyable. My Gotopia. Oh, c'est cool. Bon, là, on a une entrepôt à droite. Et là, on prend clairement de la route. Donc, pour se poser, ça va être très, très, très compliqué. Ah, si, attendez, je me souviens. Merci, messieurs. Bon, là, on est clairement dans une autre ambiance. Ça fait trop plaisir. De retour aux States, j'ai envie de vous dire. Ouais, si, on va trouver un coin pour se poser, vous inquiétez pas. Oh là là, écoutez-moi ce boucan. Moi, j'aime trop le design de ces feux. Et où c'est qu'on pourrait aller? Oh, North Food. Bon, c'est pas un restaurant. Ça se trouve, il y a un restaurant. Mais fils de ta mère, en fait!
Mais t'es sérieux, mon gars? Mais espèce de gogol! Le camion du patron! Je vais faire comment? Et lui, il a assisté à la scène, tranquille, sur son banc, là-bas. Je vais me faire niquer par maman, alors la maman va me niquer! Eh gros, tu t'arrêtes sur le bas-côté, hein? C'est quoi ta plaque? SWE63152. Eh patron, je te laisse gérer. Ah, fais chier. Ah, terrible. Bon, allez. On va se faire un petit sandwich triangle, ce sera très très bien. Ah, je suis dégoûté. Le camion du patron. J'ai fait que des conneries. Ma mère, elle va me niquer. C'est pas le meilleur endroit, je trouverai un meilleur endroit pour continuer. Mais là, c'est juste le temps de chercher un sandwich triangle. Voilà. Allez les amis, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Et puis, voilà. N'oubliez pas le like, le commentaire. Allez voir le site de Bébé Bonigs en description. Et tout ce dont je vous ai parlé, évidemment. Tout ce que j'ai dit est en bas. En bas là. Salut.